Donc une recette qui valorise le grénola à base d'épices cajun. Donc un filet de poisson, la recette peut être faite avec n'importe quel filet de poisson. Donc cette croûte qui est sur le poisson se compose en temps pour temps de beurre, de parmesan et de grénola. Donc on fait ramollir le beurre, on le mélange au parmesan et au grénola. Ça forme une pâte, une sorte de boulet entre deux feuilles de papier sulfurisé. Vous pouvez l'étaler soit avec un rouleau, soit avec une bouteille, ce que vous avez à la maison. Et ensuite, tout simplement, sur le filet de poisson, vous détaillez un morceau de croûte et vous pouvez enfourner 180 degrés 10 minutes. Et cette croûte va nourrir le poisson, va l'assaisonner tout simplement. Et nous on l'a accompagné d'une ratatouille, vu que c'est de saison, avec des légumes exclusivement du coin et une petite huile d'herbe pour assaisonner le tout. Voilà. Deuxième exercice, on a essayé de valoriser les produits là de l'édito fou, vos grénolas, les grénolas Toumaï et le crèmerie, en les utilisant de la manière les plus simple possible. Donc on a fait un travail autour de la pavlova. On a pensé à un contenant qui serait intéressant pour la crèmerie. C'est un produit qui n'a pas trop de structure, donc on voulait se faciliter un peu la tâche. Donc on a construit le dessert avec cet élément-là principal, la meringue avec le grénola café cacao. Donc on a le sucre de la meringue et sa contrebalance avec l'amertume un peu qui est amenée par le café du grénola. Ensuite, pour amener de la texture au tofu, on l'a snacké dans un petit peu de beurre. Et ce tofu qui a un goût de citron, confit, de gingembre, se marie parfaitement bien avec la fraise. Alors, pour amener un peu d'acidité et de gourmandise, on a fait réduire un vinaigre balsamique que l'on a mis à côté en décoration. Le crèmerie chocolat, on l'a accompagné tout simplement, on l'a mélangé à des fraises fraîches, on a garni notre meringue. Et par-dessus, en décoration, on a fait une tuile avec le grénola coco chocolat qui lui amène un peu de gourmandise et décore l'assiette. Même principe. Là par contre, on a pris une crèmerie nature où on a amené un peu de gourmandise avec du chocolat blanc. On a mélangé des pêches fraîches à l'ensemble. Pareil, dans la même idée que la pavlova, on a gardé cette meringue et toujours pareil avec le fruit frais autour et la tuile coco-chocolat par-dessus. Voilà, donc on a essayé de traiter le plus simplement possible les différents éléments des deux assiettes. Voilà.